En fait, l'outil existe depuis longtemps, car la France a signé il y a 15 ans la Charte européenne des langues régionales. Mais faute de ratification, elle n'a jamais pu être utilisée. Alors, face à l'urgence de sauver le dialecte, Pierre Klein a écrit à toutes les mairies d'Alsace pour leur proposer une version régionale de cette charte et les impliquer dans la sauvegarde de l'alsacien. Nous leur proposons d'adhérer à cette charte, d'adhérer à des principes généraux et d'adhérer à quelques options. Elles sont au nombre de 75. Nous leur demandons d'en retenir au moins 25. Alors c'est par exemple l'affichage public, c'est par exemple le bulletin municipal rédigé en partie aussi en langue régionale, etc. Deux communes ont pour l'instant sauté le pas, Mulhouse et Saverne. Du côté du château des Rouen, on y voit une reconnaissance pour une langue du quotidien et un outil pour la faire vivre. L'usage de cette langue régionale, on le sait, on le vit, facilite les choses au quotidien. Nous allons mettre en place dès cette année des sessions de formation pour permettre aux francophones de découvrir cette langue. Des cours d'alsacien pour le parler jusqu'en mairie, des documents administratifs dans les deux langues, un vrai plus dans les rapports au quotidien. À l'état civil, par exemple, où des situations difficiles amènent souvent les conversations vers le dialecte. C'est plus facile en dialecte parce que les gens se sentent tout de suite mieux, plus à l'aise. Et si nous on leur répond en alsacien, on sent que ça, la discussion est plus facile. Mais les initiatives concernent aussi les plus jeunes. La bibliothèque se retrouve ainsi en première ligne avec un fonds d'ouvrages en allemand et en dialecte qui va être développé. On a déjà donc des classes bilingues à Saverne qui viennent prendre des livres chez nous. On a des parents qui parlent alsacien à leurs enfants et on développera ces livres pour que les enfants puissent lire avec leurs parents ce genre de choses, d'une façon plus ludique aussi d'apprendre une langue. Et la promotion du dialecte peut aussi se faire dans l'autre sens. Exemple au théâtre alsacien. Ici, la charte prévoit de proposer, via un écran, une traduction simultanée en français des pièces jouées en dialecte. Je trouve ça motivant, par exemple, pour nous aussi, parce que de se dire qu'il y a des choses qui vont être mises en place. Nous, en tant que jeunes, je pense que ça peut nous pousser à vouloir continuer à pratiquer l'alsacien, à vouloir l'apprendre, à le parler plus couramment. Et donc, si on peut aider ou enseigner à de nouvelles personnes cette langue, ou au moins leur faire le comprendre, je pense que c'est déjà un bon début et c'est assez encourageant. Après les élections municipales, d'autres communes d'Alsace devraient également s'engager dans cette voie, en attendant d'être suivies par d'autres régions en France.